Yo tout le monde, belle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo en PVP avec Ban, Valentine, avec le hub vraiment c'est team est totalement toxique. Et encore les amis en sub j'ai mis volontairement Zell. Tu peux jouer notre ami Guilet Server, il est où il est là. Peut-être que je vais le mettre dans la vidéo, je sais pas encore. J'ai ramené un item Void, parce que bon avec ma CP les gars j'utilise un item CP, enfin une bouffe CP pardon. Et c'est bon, on commence premier, etc. Mais c'est pas le but en fait, c'est pour vous montrer que cette team, bah même quand tu commences deuxième, TP PR, TP NAR. Non mais vraiment les gars, c'est trop fort, hein. Je vous jure les gars, c'est trop fort. En fait, Valentine, elle profite du buff de ban de stat lié au PV, plus la réduction de 20%. Et en vrai, dans la méta, il n'y a plus trop de Maël. Vraiment, Maël, les gars, c'est un personnage que plus personne joue, honnêtement. Tout le monde, ouais, en vrai, il y a beaucoup de gens qui ne jouent plus Maël, hein, tout simplement, parce que le personnage est pas chiant. En vrai, je dirais pas que le perso est chiant, tu vois, mais il y a beaucoup de défauts, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire. Ok, donc là, c'est un ban, donc il y a une fusion. Donc, ban, Roxy, Jhan, ok. Alors, en vrai, on peut perdre uniquement si le ban en face ult rush. Sinon, en soi... perdre c'est quand même compliqué honnêtement. Item Void. Donc là il va essayer de me fumer hein, clairement. Est-ce qu'il va me crit? Ok il m'a crit. Tac. Ah le ban en vrai par contre ça pardonne pas mon ref hein. Genre vraiment le ban il commence en premier. C'est pour ça qu'item Void c'est ultra important. Mais tu peux te faire fumer hein. Vraiment quand t'as un ban tu te fais fumer d'un clairement. Vraiment tu te prends un crit surtout que le mec en face il joue Roxy donc forcément c'est compliqué. Donc là en vrai je vais tenter un play. Je vais tenter un play les amis. Je vais faire ça. En fait je vais le forcer à utiliser des cartes. Des cartes sur sa Jhan. Enfin bouger Jhan et en gros m'enlever l'aspect. Comme ça au moins il peut pas ultra rush son ban. Après s'il se tape des fusions de Jhan plus ban. En vrai les gars je suis finito hein. Clairement je suis finito bibo. Bon les gars, je bois en même temps. Je bois en même temps les amis. Il fait tellement chaud chez moi, je vous jure. Dans le nord les gars, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie de ouf. Hein. Donc là le mec, il va faire quoi? Il va ultra rush Jhan. Il va tuer Valentine, je pense. Hein. Donc là il enlève l'aspect, clairement le play qu'il fallait faire. Hein. J'ai envie de dire, ok. Donc là normalement il va... Ok. Alors, ok, d'accord, bon, j'ai pas trop compris le play, mais why not, j'ai envie de dire. Quand nous, on va taper, on va mettre des malus, hein. On va mettre des malus. Bon, là, clairement, c'est le combat qui est pas très intéressant, honnêtement. Le combat... Ok. Depuis quand on crit autant avec ban? Ah, ok, non, il y avait la marque de concentration, d'accord. C'est que, il y a quoi la marque de concentration? Ça, je t'en attends, ma frérot, depuis quand je crit avec ban? J'avais oublié que j'avais mis la marque de concentration. Mais ouais, c'est un combat qui est pas très intéressant, honnêtement. Bon, t'as pu voir qu'en vrai, avec son skill, donc le skill de ban, en vrai, il a pas fait non plus énormément de dégâts. Donc là, je sais pas ce qu'il va faire. Là, je pense qu'il va essayer de mettre un maximum de malus, hein, clairement. C'est le but pour lui. Ok. Bon, ça, c'est les dégâts de Jhan, rien de surprenant. Mono cible. Est-ce qu'il me fume? Bon, en vrai... Franchement les gars, Jhan, hein, pour moi Jhan c'est vraiment l'un des personnages les plus abusés actuellement. Hein. Essayez de faire ça en vrai. Bon ban qui a one shot, hein, spoiler. Hop, go one shot. Let's go. Ban spécis les amis. Combat terminé. 1,7 million. Ah les gars, je refight le même. Oh, infâme, vraiment infâme. Ouais, enfin, honnêtement, les gars, ouais, c'est un combat que je vais skip, hein, parce que vraiment, c'est pas très intéressant. Le mec va... Mais non, en fait, il sait que je joue un item Void, donc en vrai, je sais pas ce qu'il va faire. Ok, bon, bref, écoutez. Ok, les amis, ok, ok, donc là, ok, donc on fight un bot, je pense. On fight un bot, donc avec ban. C'est un bot ou un vrai joueur? Ok, bot. Ouais, est-ce qu'on peut one shot? Non, on peut pas. Peut-être le ban en face, en vrai, c'est qu'on va tester. Il y a le thermal link, donc ouais, c'est compliqué. Ouais, ban saute, hein, clairement, tous les jours. Tous les jours de l'année, les amis.
Enfin, les dégâts que tu fais avec Ban, comme c'est aberrant. Vraiment, le personnage, il a pris un sacré buff, hein, quand même. Hein. Aberrant. Ok, donc là, en fait, le seul truc qui est chiant, par contre, c'est qu'on peut pas nerf Escanor. Donc, forcément, bah, nous, on n'est pas avantagé. Hein. Le fait est qu'on puisse pas nerf Escanor, c'est très chiant pour nous, clairement. Escanor, hein, la valeur sûre, j'ai envie de dire. Ok, donc là on va prendre cher hein, sur Valentine. Bon, en vrai ça va en fait. Attends, mais il y a stuff ou pas le... Le Escanor, c'est long en vrai. Ok, il y a un HP def les gars. C'est pour ça qu'on a pas pris non plus dans le monde de dégâts. D'accord. Donc là on veut le trush. On veut le trush, donc ouais le but de la team en vrai est simple hein. Alors, moi j'ai une question, pourquoi mon ban il crit H24 en fait? Genre aujourd'hui les gars il crit H24 mon ban. Attends, pourquoi il crit H24? Mais j'ai pas mis la marque de concentration sur, sur le gozer. Attends mais c'est une dinguerie, mon ban les gars il est dopé en fait. Ok. D'accord. Je crois que mon ban les gars est totalement overbroken en fait. C'est une dinguerie ça aussi. Singerie gros. Bon là en vrai c'est un Escanor qui est mort hein les gars donc ouais. Écoutez ouais bon level 3, fais voir les dégâts qu'il va nous mettre en vrai d'ailleurs. Le Escanor est mort là. On a le tonne de Jan. Bah Valentine par contre je prends quand même cher hein. Ça se voit qu'en vrai on peut pas réduire les stats d'Escanor hein. Escanor c'est vraiment le Némésis. Bon écoutez les amis, prochain combat. Ah j'allais dire donnez-moi un Milo Purgatoire s'il vous plaît parce qu'en fait les gars, ce qui est vraiment ultra fort avec la team. Est-ce que d'ailleurs je peux tuer Ah mais c'est un vrai joueur. Mais non. Okay. En fait ce qui est ultra fort avec Valentech c'est que tu counter entre guillemets les Meodas Purgatoire. Vu que tu mets à zéro leur comment ça s'appelle? Leur perforation, bah le mec fait zéro dégâts en fait. Donc c'est trop bien. C'est trop bien, donc vraiment les Meodas pardon purgatoire, tu te fais vraiment plaisir. Donc bon j'ai répété beaucoup toi vraiment mais c'est pas grave. Oula. Ok, il veut ult rush. Patience. Passe. Oh la singerie. Ah oui, donc là, oui, c'est très grave, hein. C'est très, très grave, les amis. Hein. Oh. Donc là, on va juste pas taper, en fait. Hein. Clairement, on va juste bouger. Hein. Yo, mec. Hein. Ah, vraiment, je bouge mes cartes. Hein. Très, très bon joueur. Hein. En vrai, là, le mec, il fait des patiences. Ah, c'est catastrophique. Hein. Vraiment, le mec peut rien faire, en fait. Le mec peut rien faire. Ok. Patience. Allez. Hein. Oui, c'est très très grave en fait. Tac, tac. On va taper juste avant pour faire plus de dégâts avec l'aspé, vous connaissez. Putain, ouais, c'est abusé. Non, mais vraiment, les gars. Valentine de retour. Hein. De retour avec Ban. Hein. Aïe, 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 aïe. Hein là. Bon bah le mec va live en vrai il peut rien faire hein. Il peut rien faire le bougre hein. Le mec peut rien faire donc ouais, bon bah GG hein. Excuse moi frérot vraiment désolé. Donc tu vois je pense qu'en vrai cette bouffe les gars elle est ultra importante hein. La bouffe résistance dinguerie hein, je vous jure c'est incroyable. Ok. Un ban avec Gozer Fest. En vrai c'est pas mal le combo. C'est pas mal. En fait, le problème, c'est de fight des mecs qui jouent ban. Pour nous, on n'est pas avantagé. Dans le sens où... Ok, donc là, il met les malus. Dans le sens où, bah, le mec, il mange vraiment bien, quoi. Tu vois. Le mec, il mange vraiment bien parce qu'il peut ultra sans difficulté en soi. Voilà, on est mort, non? On est mort sur Valentine Wayne ou One Shot. Hein. Ouais, j'allais dire, logique. Encore heureux, même, qu'on se prenne à One Shot. Oh, ok. Bon, très lucky là, honnêtement.
Oh bah excuse-moi mon ref, hein. Vraiment. Excuse-moi. Excuse-moi. En vrai là, s'il n'y a pas une level 2 de Gozer, c'est win. Et tu verras, il va la dropper. Avec ma chance. Alors, est-ce qu'il... Ah bah non, il l'a pas. Ok. Bah écoutez les gars, la team elle est ultra toxique. Vraiment. Je vous conseille quand même de mettre Gil et CR en sub. Ça permet de plus tanker vraiment. Tu manges bien si tu vois ce que je veux dire. Donc ouais les amis, team ultra forte, ultra toxique, il y a énormément de variantes à faire. Mais honnêtement, la team, elle marche vraiment bien. Elle marche vraiment bien. Donc ouais, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner. Des bisous. Tchou!